Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai l'une des plus belles histoires à vous raconter. Elle s'intitule « Jésus est né ». Et notre verset à mémoriser est tiré du psaume 18, le verset 2. « Je t'aime Seigneur ». Vois-tu Joseph et Marie? Ils ont beaucoup voyagé et ils cherchent maintenant un lieu pour se reposer. « Je suis désolé, monsieur, » dit l'aubergiste. « Toutes mes chambres sont occupées. »« Mais nous venons de loin, » dit Joseph. « Et ma femme va bientôt avoir un bébé. »« Vous n'avez vraiment pas un lieu pour que nous restions ?»« À bien réfléchir, vous pourrez rester dans l'étable, » répondit le gentilhomme. « J'ai des animaux là-bas, mais... » Au moins, vous pourrez être au sec et vous serez au chaud là-bas. Oh oui, eh bien, nous irons dans l'étable. Merci, merci, mon cher monsieur. Regarde les animaux. Vois-tu la mangeoire? La paille dans la mangeoire est douce. Elle fera un bon petit lit bien douillet pour le bébé. Je pense que l'étable sera un bon endroit pour rester pendant quelque temps. Et puis, Jésus est né. « Mettons le bébé sur la paille dans la mangeoire, » dit Joseph. « Tu devrais te reposer, Marie. Tu es fatiguée. » Marie regarde son beau bébé garçon. Elle a tous ses cheveux bouclés et ses belles petites oreilles. Elle l'aime tellement. « Viens par ici, » dit Joseph. « Viens maintenant te reposer, Marie. » Pendant ce temps, les bergers faisaient paître leurs troupeaux sur la colline. Ils ont entendu que Jésus allait venir sur terre. Quand allait-il venir? Ils se demandaient. Va-t-il bientôt venir? Oui, la parole de Dieu a annoncé qu'il viendrait bientôt. Alors les bergers ont vu dans le ciel une étoile éclatante de lumière. Et soudainement, un ange est apparu. N'ayez pas peur, dit l'ange. Je vous apporte une bonne nouvelle. Jésus le Sauveur est né. Vous le trouverez dans la ville. Cherchez un bébé allongé dans une mangeoire. Et plusieurs anges l'accompagnaient. Il y en avait beaucoup, beaucoup, et tous louaient Dieu en chantant. Il est né le divin enfant, glorifions son nom éclatant en chant. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant, glorifions son nom éclatant en chant. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Nous devons partir à sa recherche, dirent-ils les uns les autres. Nous devons aller dans la ville et chercher ce bébé. Et ils partirent et trouvèrent Jésus. Merci Seigneur, les bergers prièrent. Merci d'avoir envoyé ton Fils sur la terre. Merci d'avoir envoyé Jésus pour être notre Sauveur. Nous dirons à tout le monde que nous avons tous besoin de lui. Nous aussi, nous pouvons remercier Dieu pour nous avoir envoyé Jésus comme un bébé sur terre pour nous sauver. Et nous pouvons le remercier en priant. Tendre Père, merci d'avoir envoyé Jésus pour nous aimer, pour nous sauver et prendre bien soin de nous. Nous l'aimons tendrement et nous t'aimons aussi au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi que Jésus est né sur la terre comme un bébé comme vous et moi, mais il est venu pour nous aimer et nous sauver. Au revoir et à bientôt. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui je vous amène une belle histoire qui s'appelle « Les bergers trouvent le petit Jésus ». Notre verset à mémoriser dit « Le Seigneur a fait beaucoup pour nous » et il se trouve dans le psaume 126, 3. Aujourd'hui nous apprenons que nous adorons Jésus lorsque nous parlons de lui aux autres. As-tu déjà espéré une chose spéciale, comme par exemple un cadeau d'anniversaire? As-tu reçu cette chose spéciale?
La nuit commença comme n'importe quelle nuit. Les bergers veillaient sur leurs troupeaux de moutons, sur les collines, près de la petite ville de Bethléem. Ils parlaient ensemble de la promesse spéciale que Dieu avait faite plusieurs années auparavant. La promesse qu'un nouveau roi viendrait sur terre. Et ils se demandaient si Dieu enverrait bientôt ce nouveau roi. Soudain, une brillante lumière apparut dans le ciel. Les bergers eurent très peur, mais ils entendirent une voix qui disait « N'ayez pas peur, je viens vous annoncer une bonne nouvelle pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. » Les bergers se tournèrent les uns vers les autres. « Est-ce possible ?» se demandèrent-ils. « Dieu aurait-il envoyé le sauveur promis depuis longtemps ?» L'ange dit encore « Vous trouverez un bébé enveloppé dans les langes et couché dans une crèche. » Alors des centaines des anges se joignirent au premier jusqu'à ce que le ciel s'illumine tout entier et l'air résonna de leur chant. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. » Les anges terminèrent leur chant et s'éloignèrent doucement vers les cieux. La brillante chorale fut de plus en plus loin, de plus en plus petite, et finit par rassembler à n'importe quelle étoile du ciel. Et le calme revint sur les collines entourant Bethléem. Les bergers se regardèrent. « Je crois que c'est vrai, » dit l'un. « Je pense que nous devrions y aller, » dit un autre. « Je suis d'accord, » dit un troisième. « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. » Ils se précipitèrent vers Bethléem. « Dans une crèche, » avait dit l'ange. Chaque berger savait qu'il trouverait une crèche dans une grange ou bien dans une étable, un endroit où l'on gardait les animaux. Ces derniers mangeaient le foin placé dans la crèche par la personne s'occupant d'eux. Et là, dans la nuit, ils trouvèrent Marie et Joseph avec le bébé Jésus couché dans une crèche, tout comme l'avait dit l'ange. Ils pensèrent aux paroles de l'ange « Un sauveur est né pour vous » et ils surent que ce bébé venait de Dieu. Doucement, ils s'agenouillèrent et adorèrent l'enfant. Bientôt, les bergers revinrent vers leurs moutons. Ils retournèrent sur les collines, louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu. En chemin, ils dirent à tous qu'ils avaient vu Jésus, le sauveur du monde. Et ils parlaient longtemps de cette nuit, racontant à tous ceux qui les écoutaient la visite de l'ange, le merveilleux chant des anges et la découverte du petit Jésus, couché dans une crèche. Marie et Joseph étaient étonnés. Quelle merveilleuse nuit ce fut pour eux. Marie savait qu'elle se rappellerait toujours de la visite des bergers. Et lorsque Jésus serait plus grand, elle lui raconterait la nuit de sa naissance. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Quelle joie !» Le verset à mémoriser se trouve dans Luc 2, verset 17. « Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit. » Un soir, grand-maman parla à Nadine du jour de sa naissance. « Quand tu es née, je vivais très loin de ta maman et ton papa. » Quand ton papa m'a téléphoné pour me dire que j'avais une autre petite fille, j'étais tellement excitée que je voulais prendre l'avion pour venir te voir immédiatement. Dans notre récit biblique, certaines personnes ne pouvaient pas s'empêcher de courir voir un autre nouveau-né. Voyons un peu de quoi il s'agit. Le cœur des anges étincelant s'était dissipé dans le lointain. Les bergers étaient de nouveau dans le noir, seuls avec leurs brebis. Leurs oreilles résonnèrent encore dans le silence. Ils se regardèrent les uns les autres. L'idée de rester avec les brebis s'était effacée de leur esprit. Quelle merveilleuse nouvelle! Les anges leur avaient dit où trouver l'enfant Jésus. Ils devaient y aller maintenant. Les bergers se hâtèrent vers Bethléem. « Couché dans une crèche », avait dit l'ange. Cela sous-entendait une étable, un lieu où des animaux étaient abrités. Écoutant à toutes les étables, les bergers essayaient d'entendre les cris d'un nouveau-né. Ils finirent par trouver le bon endroit.
Les bergers entrèrent tout doucement. Peux-tu imaginer ce qu'ils devaient ressentir ? De la curiosité ? Allaient-ils voir un enfant ordinaire ? Ils virent exactement ce que l'ange leur avait dit qu'ils verraient. Un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche sur de la paille fraîche. Ils durent expliquer pourquoi ils étaient là. Ils durent parler des anges brillants, du cœur des anges et du merveilleux chant. Ont-ils dit qu'ils croyaient que cet enfant était le Fils de Dieu, celui qui était leur sauveur ? Marie et Joseph durent poser bien des questions. La Bible dit que Marie gardait dans son cœur la nouvelle que les bergers lui avaient apportée. Elle dut aimer Dieu plus encore pour cette manière de l'encourager. Le récit des bergers doit aussi avoir aidé Joseph à croire à la parole de Dieu. Penses-tu que les bergers ont aussi voulu toucher cet enfant spécial ? Peut-être qu'ils mirent leurs mains devant leur visage avec respect ? Peut-être aussi se sont-ils réciproquement frappés dans le dos en souriant au bébé ? Ils réalisaient combien ils étaient privilégiés d'avoir eu la visite des anges. Nous ne savons pas combien de temps les bergers sont restés dans l'étable, mais nous savons qu'ils se prosternèrent et adorèrent l'enfant Jésus. Ils savaient qu'il était leur sauveur. Ils sont peut-être partis de Bethléem peu avant l'aube, quand les gens commençaient à se lever, ou peut-être d'autres personnes achevaient un travail quelconque de nuit. La Bible dit que les bergers répandirent la nouvelle. Ils racontèrent à tous ceux qu'ils rencontraient leur visite au bébé, le Fils de Dieu. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement. Les bergers retournèrent vers leurs brebis en louant Dieu. Ils avaient vu le Messie exactement comme on le leur avait dit. Et Marie et Joseph, comment se sentaient-ils ? Marie conservait toutes ces choses et y pensait souvent. Qu'est-ce que l'avenir leur réservait ? Comment elle et Joseph allaient-ils élever cet enfant, le Fils de Dieu ? Adorer Dieu signifie que tu parles de lui aux autres, comme le firent les bergers. Ou tu peux penser à lui en silence et le remercier pour son amour, comme le faisait Marie. Mais tu ne peux pas adorer Dieu tant que tu ne sais pas personnellement à quel point il t'aime. Alors tu pourras l'adorer en parlant aux autres de la naissance de Jésus et en leur disant combien il est merveilleux. Jeune amie, heureuse de te retrouver. Comment te sens-tu à la veille de Noël ? C'est l'effervescence partout, n'est-ce pas ? Moi, j'aime bien cette période car il y a des lumières dans beaucoup de maisons, mais également à l'extérieur. Les villes brillent de mille feux avec de magnifiques décorations très lumineuses. Mais au fait, à quoi sert la lumière ? Redécouvrons cela avec notre récit intitulé « Voyage sous une bonne étoile ». Après les bergers, Dieu s'adresse aux mages de l'Orient. Ils avaient aperçu dans le ciel une lumière mystérieuse et ils eurent l'impression que l'étoile était là pour eux. Ils décidèrent alors de marcher de nuit afin de pouvoir suivre cette étoile qui leur servait de signe extérieur. Ils avaient le témoignage intérieur du Saint-Esprit influençant leur cœur et leur communiquant l'espérance. Après un long et dur voyage, ils arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Mais, mystère, personne n'en savait rien. Cependant, la nouvelle de leur arrivée se répandit rapidement. Le roi Hérode les fit venir. Il leur dit qu'il allait prendre des renseignements. Ces informations lui seraient aussi utiles parce qu'il prévoyait de se débarrasser de tout rival potentiel. Hérode appela alors les prêtres qui examinèrent les anciennes prophéties. En effet,
il était annoncé qu'un roi naîtrait à Bethléem. Hérode rappela les mages et leur dit ce qu'il avait découvert. Puis il les invita à repasser chez lui avant de prendre le chemin du retour. De nouveau, les mages suivirent l'étoile. Elle s'arrêta tout près de Bethléem, au-dessus d'une très humble demeure. Ils y trouvèrent Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Ils l'adorèrent et lui donnèrent leurs cadeaux. De l'or parce qu'il est un roi, de l'encens pour symboliser sa mission car Jésus s'offrira en sacrifice pour tous nos péchés, et de la myrrhe qui est utilisée pour oindre les corps qui sont préparés pour être enterrés. En effet, les Écritures disent qu'il mourra pour nos péchés. De nouveau, Dieu guidait les plans de ceux qui lui faisaient confiance. Il avertit les trois voyageurs de ne pas retourner auprès du roi Hérode, mais de prendre un autre chemin. Ils obéirent et allèrent répandre la bonne nouvelle dans leur pays. Mais il y a deux autres rêves et deux autres voyages dans cette histoire. Lorsque Hérode comprit que les visiteurs ne reviendraient pas à Jérusalem, il commença à faire ses propres mauvais plans. Mais Dieu avait devancé Hérode. Il se servit d'un rêve pour faire comprendre à Joseph ce qu'il devait faire. Dieu lui dit « Va, toi et ta femme, ainsi que l'enfant Jésus, et partez immédiatement pour l'Égypte. » En se laissant guider par Dieu, Joseph soustrairait l'enfant Jésus aux griffes du roi Hérode. Et grâce aux cadeaux apportés par les visiteurs étrangers, la petite famille pourrait vivre en sécurité dans un autre pays et attendre que Dieu leur fasse comprendre que le danger était passé et qu'ils pouvaient retourner à Nazareth. Qu'avons-nous retenu ? Les mages, Marie et Joseph, ont tous reçu des instructions de la part de Dieu. Ils n'étaient pas obligés d'obéir, mais ils ont choisi de le faire. L'obéissance, c'est aussi une façon d'adorer Dieu. Oui, mon jeune ami, nous adorons Dieu lorsque nous le laissons nous guider. Oui, Dieu nous guidera. Lisons cela dans Ésaïe 58 au verset 11. L'Éternel te guidera constamment, il te rassasira dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Prions. Seigneur, comme les mages Joseph et Marie, nous voulons nous laisser guider par toi. Aide-nous dans l'étude de ta parole, afin que nous puissions savoir comment t'obéir et t'adorer. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, le moment de nous séparer étant arrivé, je t'invite à découvrir tout au long de la semaine notre prochaine étude intitulée « L'échange de cadeaux ». En lisant Matthieu 2, 1 à 15, Jean 3, 16 à 17, Luc 1, verset 2 et les chapitres 1 et 2 de Matthieu. Tu pourras également approfondir ton récit avec le chapitre 17 du livre Jésus-Christ et le chapitre 8 du livre Vers Jésus. Et je te donne rendez-vous samedi prochain à la même heure, Dieu voulant. Bye bye! Dum, 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 dum
Bonjour mamie. Oh, bonjour les enfants, comment ça va? Ça va bien, et toi? Ah ben ça va. Qu'est-ce que tu fais? J'admire les belles fleurs de la nature. Regardez-moi cette beauté, regardez cette merveille. Wow. Vous voyez comme c'est beau? Ah, oui. Ah, c'est super. Mamie, oui. Merci pour le film sur la vie de Jésus. Mm-hmm. On l'a regardé avec maman et papa et c'est super. Moi aussi je l'ai regardé et j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a confirmé que Jésus est le super cadeau pour tous les hommes. Moi, j'ai beaucoup aimé les miracles de Jésus. Ah oui, moi aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé quand il a calmé la tempête. Jésus, il est trop fort, trop fort. À votre avis, les enfants, pourquoi Jésus a-t-il fait tous ces miracles? C'était pour aider les gens, pour arrêter la souffrance. Moi, je pense que c'est parce qu'il les aimait. Aussi. Effectivement, les enfants. Jésus aimait les gens qu'il côtoyait quand il était sur terre et il nous aime encore aujourd'hui. J'étais très triste quand Jésus est mort sous la croix, car je pense qu'il a beaucoup souffert, même si je savais qu'il ressusciterait. C'est vrai. Jésus a souffert sur la croix et c'est triste. Mais en même temps, c'est merveilleux, car il a accepté de mourir sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Et c'est le plus précieux des cadeaux. Et sa résurrection nous montre qu'il est plus fort que la mort. Mamie, quand tu nous offres des cadeaux, nous pouvons te faire des bisous et des câlins pour te remercier. Mais mamie, comment remercier Jésus? Oui, mais comment faire des câlins à Jésus? Le meilleur moyen de remercier Jésus est de lui montrer que l'on l'aime en lui obéissant. Quand on fait du bien à notre prochain, on obéit à Jésus qui a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Et quand on observe les commandements, puisque Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Vous avez tout compris les enfants. Et tout ce que Jésus nous demande de faire, c'est pour notre bonheur, car il veut que nous vivions le mieux possible sur cette terre, en attendant de vivre avec lui sur la nouvelle terre où tout sera parfait. Ce qui veut dire que si nous suivons les consignes que Jésus nous a données, notre vie sera bien gérée. Et nous porterons de bons fruits, c'est-à-dire que nous ferons honneur à Jésus à travers nos actions. Un peu comme toi, mamie. Tu as suivi les consignes pour soigner tes orangers et ce matin, tu as récolté de très bonnes oranges. Belle comparaison, Mathéo. Justement, je vais vous chercher des oranges. Ah. C'est sûr que c'est délicieux, mamie. Ah oui, c'est trop bon. Je suis contente que ça vous plaise. Elles contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et sont capables de nettoyer l'organisme tout en renforçant notre système immunitaire. Elles contribuent aussi à la santé de notre peau et aident notre corps à absorber le fer. Et tout ça en attendant la nouvelle terre où nous serons en excellente santé. Très juste. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible. C'est celui où Jésus dit qu'il va nous préparer une place et qu'il reviendra nous chercher. Ah, je le connais ce verset. Et je le remercie déjà pour la place qu'il me réserve sur la nouvelle terre, car je sais qu'il tient toutes ses promesses. Ah, moi aussi j'ai ma place. Et je veux remercier Jésus pour tout ce qu'il fait pour nous. Très bien. Et moi aussi. Alors, remercions Jésus tous ensemble. Merci Jésus pour toutes ces choses que tu as faites pour nous. Merci pour cette promesse de la nouvelle terre. Et surtout, aide-nous à être présents sur cette nouvelle terre. Amen. Amen. Avec la nature.
suis grandiose. Une maison nous invite et me repose. Des jouets de jeu qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Pour que des joies toute ma vie explose. La 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 la. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas